Bonjour à vous, c'est Choupidou. Donc déjà pour commencer, je vous souhaite et présente mes meilleurs vœux pour cette année 2018. Bien sûr la santé, l'amour, l'argent, le bonheur. S'il y en a qui en ont trop, vous pouvez éventuellement me refourguer le surplus. Je suis preneuse et par palette, hein, vous pouvez y aller. J'en ai absolument besoin, un peu comme tout le monde, hein, on ne va pas non plus se mentir. Alors je vous souhaite plein de bonnes choses, beaucoup d'achats, beaucoup de bonheur dans ma vie. Voilà, tout simplement, pour ma part, j'ai fait un spectacle, vous avez pu le voir sur la vidéo qu'il y a eu juste avant. J'ai fait un spectacle comme c'était prévu au 31. J'ai filmé avec la GoPro, enfin la caméra embarquée que j'ai achetée sur AliExpress que je vais vous présenter là maintenant. Je vais commencer par ça. J'en suis très très contente, sachant que j'ai réduit le débit d'image par seconde, donc elle était réglée sur 60 fps. J'ai réduit à 30 fps parce que je crois que la première fois ça m'avait pas, enfin je sais pas, c'était saccadé, donc du coup j'ai dit je vais faire ça. Et j'en suis trop contente puisque j'ai filmé dans des endroits très sombres par deux fois pour une soirée CE par mon travail. Donc c'était très sombre, c'était le soir, donc il y a eu un super rendu. Et j'ai refilmé donc là pour le 31 avec la perche, je me suis baladée, j'ai filmé la répétition, c'est ce que je vous ai montré sur ma chaîne. Mais après j'ai filmé aussi pendant le spectacle, je ne pouvais pas la caler devant, donc des loges je faisais un peu comme je pouvais. Et même quand il y a eu le décompte de minuit, il y avait tous les clients qui étaient devant nous, avec les danseuses et tout ça. Donc j'ai pu filmer un rendu exceptionnel, franchement. Pour le prix, je suis trop satisfaite. Donc moi, stupide, blonde, méchée, la première fois que j'ai filmé, j'avais gardé l'étui. Voilà. L'étui pour la plongée. Ouais, je trouvais ça sympa, j'ai dit ça va être protégé et tout. Enfin bref, tout ce qui était son, heureusement que moi le son m'était absolument inutile pour ce genre de vidéo puisque j'ai doublé avec des musiques libres de droit. Et ben, si j'avais voulu du dialogue, il n'y avait rien parce que du coup c'était étouffé par l'emballage quoi. Mais voilà, donc je vais vous présenter cette caméra embarquée. Donc c'est la marque Eken, il y en a beaucoup, il y a plusieurs marques sur AliExpress. Là c'est la marque Eken, j'ai pris la H9R pour ceux qui veulent voir toutes les options. Elle m'a coûté 53€, il y a plusieurs options, il y a un tableau. Sur la vidéo de ces achats là, je crois que c'était en novembre, je montre bien le tableau, la précommande de ce que j'ai commandé. Donc il y avait deux batteries, il y en a une qui est encore emballée. Il y a le... Ben, j'ai plein de trucs, j'ai même pas encore déballé. Je l'ai essayé vraiment vite fait pour le réveillon et un petit peu avant. Il y a le bracelet Wi-Fi. Donc, je sais même pas si on doit mettre des piles. Il faudrait que je regarde quand même. Il y a une batterie à l'intérieur. Il faudrait que je le démonte. Donc, en fait, c'est comme ça. C'est comme ceci. Et vous avez le bouton. En fait, vous le mettez au poignet. Et si vous l'avez là ou ailleurs sur vous, sac à dos ou autre, vous pouvez la démarrer du bouton. Donc ça va m'être utile, mais j'ai pas dans le package que j'ai pris dans les options, je n'ai pas pris tout ce qui est headband, le croisillon devant, les sangles. Bon, ça coûte rien du tout, donc je prendrai ultérieurement. Voilà, déjà je voulais savoir si ça fonctionnait. Donc il y a plein de petits trucs en plus, donc je vous remets le packaging. Ça. Il y a des attaches en double, en triple pour attacher de partout. Puis alors elle était emballée, je vous explique même pas comment, sur-emballée quoi. Je crois que plus que ça, c'était. C'est pire qu'un bébé quoi. Il s'est reçu avec du papier, bulé du machin. Il n'y a rien qui pouvait bouger. Franchement, tout était assemblé à l'intérieur. Ils ont un packaging de fou quoi. De fou. Je vous montre l'objet en question, moi je l'ai pris en blanche, hein. Donc je vous le remémore, elle est 4K et ultra HD et bien sûr Wi-Fi. J'ai même pas enlevé, comment on appelle ça, l'étui de protection, là, la petite feuille. Là. Voilà. Donc ça fait plusieurs fois que je m'en sers. Là j'ai filmé un autre spectacle il y a deux jours. De nuit, pareil, puisque c'était un spectacle sur le thème de Venise. Donc j'avais des copines qui voulaient que j'en fasse un teaser, parce que je me suis spécialisée dans les teasers.
du coup, et j'avais ça sur le... Parce qu'ils m'ont donné ça aussi, hein, dans le lot. Il y a la barre selfie, un peu plus robuste que pour les portables, sur laquelle on peut fixer la plaque, vous enclenchez, voilà. Tout est super bien fixé, ça ne bouge pas. Donc je me baladais avec la perche, plus mon caméscope à la main. Du coup, je faisais des balayages comme ça, des travelling avant, derrière, sur les côtés, pendant que je filmais devant, je pouvais filmer les personnes qui regardaient le spectacle et tout. Enfin, c'était... J'ai pris un maximum d'images, d'ailleurs j'en ai trop. J'ai voulu faire le teaser, je ne savais même plus quoi prendre tellement que j'en avais. Je vais réduire aussi ma vitesse de parole parce que j'ai remarqué que je parlais extrêmement vite. Je ne suis pas pressée, moi j'ai tout mon après-midi. J'arrive du boulot, ceci dit. Je suis encore un peu défraîchie, mais ça va. Donc la caméra, donc 53€, dedans, elle a été, j'avais demandé une carte SD 32Go, elle a bien 32Go, une mini SD, elle est enclenchée là. Il y a les cordons pour l'alimentation, alors je l'ai chargée qu'une fois, ça fait une batterie comme sur les portables, ça bouge pas, je ne comprends pas, ça ne bouge absolument pas, donc je l'ai laissé pourtant beaucoup allumée, parce que des fois j'oublie de l'éteindre, enfin bref, quand on a un spectacle ou autre. On est dans l'action, il faut aller vite, donc je pose, je reprends. Franchement, elle est très très économique, la batterie. La carte SD est très bien, j'arrive à tout basculer sur mon Mac, franchement c'est... Et moi je vous conseille. Je ne connais pas après la qualité des GoPro, sûrement qu'il y a peut-être une meilleure qualité. Enfin, vous pouvez voir la vidéo que j'ai filmée, donc juste celle avant celle-ci, où je marque répétition, je crois, réveillon 31 jours de l'an. Ça a été filmé qu'avec cette caméra. Et à aucun moment il y a eu mon caméscope qui est full HD. Non, ça a été filmé qu'avec ça. Et franchement, du coup, je me sers des deux. Je suis ravie. Bref, pour ce qui est GoPro, la H9R de chez Eiken. Voilà. Alors, je vais peut-être vous faire ça. Parce que je viens de vous remarquer derrière. Si vous avez le temps, faites un petit flash sur le QR code. Et apparemment, vous voyez, on peut suivre. Il y a un lien Google Plus. Je vais le voir maintenant. Facebook et Google. Il y a quoi ? Facebook, il y a Live et YouTube. Donc du coup, je vais m'en servir. Je vais aller voir un peu ce qui se passe sur cette chaîne. Peut-être que il peut y avoir des petits tutos. Du coup, je vois aussi. Bon, la fille, elle découvre ça. Ça fait un mois que je l'ai. Elle est waterproof 30 mètres et elle a 12 mégapixels. Bon, bon produit, franchement, pour le prix. Ça vous fait un bel essai pour ceux qui veulent se lancer pour le ski. Ben voilà, il y a des départs au ski là. En plus, il y a pas mal de neige. Aussi, j'aimerais bien y aller faire un petit peu de snow. Mais bon, c'est pas encore d'actualité. Voilà, GoPro terminé. La fois dernière, je vous avais dit que j'ai commandé, je crois que c'est ça, parce que moi je l'ai sorti. Ah oui, c'est ça. Je sors des trucs qui... Je suis un peu à la bourre des vidéos, donc... Ah oui, je voulais m'excuser parce que, en fait, pour le coup, il y a eu la période de Noël. Il y a eu du rattrapage d'heures, il y a eu des petits spectacles qui sont arrivés entre temps et à un moment donné, j'étais crevée, quoi. Je rentrais le soir, je savais que je me levais très tôt le lendemain, pas trop envie de filmer, la tête comme ça, le monde, au magasin et tout, non. Beaucoup de réunions de fin d'année, beaucoup de... Voilà. J'ai dit, bon, ben, je prendrai le temps, il faudra que je sois bien posée, j'avais envie de passer un peu de temps avec vous. Et voilà, là aussi, je me rends compte de beaucoup de choses sur ce packaging. Donc, j'ai commandé, par rapport à la chaîne Sarah Messa, ce produit pour l'extension de cils. Donc, comme on peut le constater, derrière, il y a une photo avant, après. Alors, pour être honnête, hein, je ne l'ai appliqué qu'une seule fois. Je l'ai rangé parce que j'ai un petit tiroir où je mets tout ce que je dois vous filmer. Et je me suis mis à part la GoPro, je me suis servi un peu avant. Mais tous ces petits produits-là, je vais commencer à partir de ce soir, après le démaquillage et le salon. Je vais appliquer, donc regardez, c'est un peu comme un eyeliner, vous avez un tout petit pinceau, voilà, et vous appliquez au ras des cils, et ça permet de, ça donne des vitamines. Moi je l'ai appliqué déjà une fois, avant de me maquiller, j'avais laissé sécher et tout, je n'ai fait aucune allergie, voilà, aucune. Donc déjà ça je le sais, donc je vais pouvoir commencer mon traitement. Ils disent d'appliquer correctement dans la base des cils. Voilà, moi je vais le faire une fois par jour. Je ne vais pas oublier
de me photographier avant, après, avant, voilà, ma photo avant, et après vous montrer au bout d'un mois ce que ça va donner. Donc, je vois, donc je vous disais aussi, je suis un peu brouillon. En même temps, je suis naturelle, donc voilà. Sur je vais vous montrer parce que mon anglais, voilà. Voilà, regardez, sur ça, il se pourrait, voilà, j'attends que ça fasse le focus. Peut-être un jour, je sais pas. Il se pourrait qu'il y ait des astuces. Et pareil, des tutos pour, en fait, ils sont super bien maintenant, tout ce qui est d'AliExpress, on peut avoir le suivi, trouver tout ce qu'il faut pour s'en servir si on ne comprend pas. Donc, il peut y avoir aussi deux, trois petites astuces pour appliquer, ou voilà. Après, j'ai commandé ce petit primer matifiant 12 ml parce que j'avais fini le mien. J'avais terminé le mien qui venait de chez Bébé Cosmétique. J'en étais ravie. Il est violet, le même packaging en plus grand, en vert, et c'est violet dedans. J'en étais trop contente et du coup j'ai commandé celui-ci. Alors celui-ci, franchement, il fait super bien son job. Il est très agréable à. On dirait de la. Du liquide de soie comme dans les cheveux là, fibre de soie, c'est la même matière, ça fond et c'est tout doux et c'est tout soyeux, donc on le passe la plaque avant le maquillage et après vous pouvez même si vous avez un fond de teint, j'en ai un là, faut que je le termine, il est râpeux, il est voilà, il est matifiant c'est sûr hein, mais quand on le passe on a l'impression de crépir et de se mettre un enduit et du coup ça rend la peau très 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 glissante en fait et ça referme tous les pores et j'arrive à tenir mon maquillage toute la journée. Donc c'est le Color Saloon All Matte, voilà, vous pouvez trouver, je crois que je l'ai payé 3€ et quelques. Il est très très bien, aucune allergie, quoi que ce soit. Franchement je vous le conseille pour débuter dans le primer, celles qui veulent se lancer. C'est surtout pour les maquillages, moi je me lève des fois il est 7h, je rentre il est 19h, 19h30. J'habite pas loin de mon travail, hein, mais j'ai pas tout spécialement envie de rentrer, de gaspiller de l'essence. Et ben, ça me tient toute la journée. Bon, mis à part si je bouge trop, pop et up, là je commence à briller comme tout le monde. Enfin voilà, je commande et je recommande. Ensuite, j'ai commandé ces petits patchs qu'on met au niveau des cernes, en forme de, bien sûr, de demi-lune au niveau. Pareil, à l'identique que les cernes. C'est des masques collagène cristal avec de l'or hein, apparemment dedans. Donc c'est comme ceci. Je l'ai fait qu'une fois. Alors là aussi, on a l'impression que c'est. Donc on le sort, c'est dans un liquide déjà. C'est plongé dans un liquide. C'est frais. D'ailleurs, je pense que je devrais, si je veux le faire ce soir, je pourrais le mettre déjà aussi au frigo parce que du coup c'est frais, mais alors je peux avoir encore plus frais. Si vous voulez, vraiment c'est top. Oh, mes mots, je ne les trouve plus, je les ai perdus. Ils sont en 2017, mes mots, il faut qu'ils arrivent en 2018. Vous donnez un coup de peps et tout, quand on est fatigué, crevé, et vous passez une petite séance tranquille sur votre canapé. Ça, c'est génial. Parce que déjà, on a l'impression qu'ils vont se casser, qu'ils sont faits d'or, et puis finalement, ça ne se casse pas. Ça a l'air friable, mais ça ne l'est pas. Vous mettez ça là, déjà, ça colle super bien. Et vous passez une petite séance. Alors moi du coup je l'ai fait une fois et pour le lendemain comme je savais que j'allais me coucher tard et tout, j'avais laissé un peu dans l'espèce d'étui là, avec plongé dans ce liquide, on ne sait pas trop ce que c'est, et je l'ai refait le lendemain matin. J'en ai profité 2-3 fois d'affilée, après j'ai jeté hein, pour profiter des bienfaits de ce petit patch. Moi je peux, ça c'est bien en voyage par exemple, si celles qui prennent l'avion, le décalage horaire avant d'arriver à destination, ça tac 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 tac, une soirée on dort chez les copines ou chez son petit copain ou autre, on fait ce qu'on veut, on doit travailler dans le même, on s'est couché tard, vite fait, en buvant le café, clac clac. C'est la solution idéale, ça se prend, l'emballage est très fin, ça se glisse dans la trousse de toilette ou autre, ça peut sauver une vie, ça peut sauver une vie. Quand on a la tête, voilà, ben des mauvais jours, hein, voilà. Et j'en suis très contente, donc j'ai pas payé ça cher, les 5 pièces du style 1€. Bon après maintenant j'ai ma machine à masque. Mais bon ça peut être la solution d'épanage pour les. Quand on part en vacances, c'est pas mal. En voiture. Des fois on s'endort dans le bus, on fait un long trajet, dans le train par exemple. 3 heures de train pour monter à Paris. On est un peu flagadouille avec les vibrations. Ouais, flagadouille, j'ai adoré ce terme. Je l'ai lancé là. Je vous l'offre. C'est cadeau. C'est 2018.
ça peut faire son truc, ça. J'en suis très contente. Et puis pareil, des petits prix. Après, je voulais une montre grise, rappelez-vous. Je vous avais dit, j'avais envie de gris. C'était mon... Et j'ai commandé une montre où il n'y avait pas de marque. Il n'y avait rien du tout. Même les photos qu'il y avait à droite, à gauche, rien. Et il se trouve que j'ai reçu une marque qui, apparemment, mais je ne l'ai pas su de suite. Hein, c'est mes copines qui m'ont dit, waouh, ouais, t'as une... Je vais vous montrer. Mais bon, je ne savais même pas que c'était une marque, franchement. Et du coup, elle est magnifique, elle est rose gold. Ben, je vais vous montrer, vous allez comprendre, regardez. Voilà. Estampillée de partout, de toutes parts à l'intérieur. Mais moi, à la base, c'était parce que le bracelet était gris. Elle me plaisait. Simple, c'était un peu argenté. Enfin, voilà quoi. Mais après, voilà, quand j'ai su que c'était une marque, j'ai dit, ben, je suis désolée pour la contrefaçon, mais moi, je ne veux pas connaître toutes les marques du monde entier. Alors, je vais la mettre au poignet, vous allez voir. Voilà, hop. Voilà, elle donne l'heure, hein, bien sûr, mais voilà, ça fait un super poignet. Voilà. Donc, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. 3 euros. Après, j'avais commandé aussi une montre pour pour Lydie, la fille de ma copine de travail, mais je lui ai donné, très contente. À l'identique de la précommande que je vous ai, la photo dont je vous ai montré à l'identique, parfaite, elle est contente, tout va bien. Ah, ma bague, rappelez-vous, c'était le clou de ma commande, ma bague magnifique, et j'en suis trop contente parce que elle passe sous l'eau, pas sous l'eau, c'est vraiment de l'argent quoi. Il y a le poinçon 925, de toute façon c'était marqué dessus, il est à l'intérieur. Franchement, si je réussis à vous montrer ça, c'est que 2018 c'est une bonne année. Là peut-être, ah ouais, je vous le montre un peu là. Je fais nimp. Voilà. Et là maintenant je vous montrer la bague. Ben, elle ne bouge pas. On peut transpirer, on peut mettre sous l'eau. Regardez-moi ça. Elle est, mais ben, je crois que c'est un dupe de Pandora ou un truc comme ça. Ben, c'est ce que je pense, hein, parce que je crois que j'en ai vu sur le net, mais pareil, j'ai trouvé sympa. Je ne me suis pas posé la question, et un peu plus dans le descriptif, il n'y avait pas Panduraya ou qui pourrait faire allusion à ça. Et bah, je l'aime trop. 6 euros, c'est quand même. Je vais vous présenter aussi un article qui n'a rien à voir avec AliExpress, mais j'ai trouvé ça trop terrible. À Jiffy, en me baladant au premier solde là, qu'il y a eu. Coincé dans un rayon, il a dû tomber là, il y a une rayure. Coincé dans un rayon, je tombe sur ça. Il y avait la petite bulle. De dessin animé, et puis là, hop, je vais vous montrer ce qu'on peut y faire. Oh, super, hop, c'est très mal fait, mais regardez. Donc, on peut écrire, il est fourni avec un petit marqueur, et attention, hop, ça c'est clair. Donc c'est une petite bulle super sympa. Je l'ai payé 6 euros et je trouve que c'est trop mignon. Voilà, même sur un mur ou autre. Peut-être là, voilà, tous les jours on peut marquer. Hop, on peut marquer ce qu'on veut. Une journée, un petit mot, enfin bref. Et j'ai trouvé ça super sympa. Voilà. Je sais pas s'il y en a encore, hein, à Jiffy. Voilà. Bon, je voulais pas vous la présenter maintenant, mais. Je vais vite fait vous la présenter, sachant que je vais vous faire un tuto là, dans les jours qui arrivent. Je vais vous présenter ma machine à masque, parce que ça c'est la trouvaille, la vraie trouvaille. Je suis trop contente. Alors regarde, ça c'est la machine à faire des masques. Nous avons quoi? Nous avons l'appareil, il est comme ceci. Je vais pas trop vous... je vais juste vous dire comment j'ai procédé. L'appareil est comme ceci, il se branche sur secteur. Dessous, juste vous avez ceci que vous mettez dessous, comme ça. Oh, super. Oh, mais 2018, ça va rien arranger, je suis nul. Voilà, comme ça. Prise secteur. Dedans, vous avez un contenant avec une petite raquette. Un goupillon pour nettoyer. Et bien sûr le collagène qui est juste top car c'est du collagène issu des poissons, donc du collagène naturel, tout est sous vide. J'ai des petites et après donc il y a ces étuis là et après c'est des tablettes comme ça. Voilà, donc premier essai, je
fais mon petit jus, vite fait, je crois que j'ai fait carotte. Il me restait un petit bout de carotte comme ça et du concombre. Je dis de toute façon, c'est très bien, carotte, concombre. Mais au lieu de les jeter, parce qu'avec ça, on ne peut rien faire avec deux petits morceaux comme ça, c'était des chutes. Allez, je fais mon petit jus, donc je sors ça avec l'extracteur. Et je branche l'appareil et de suite on vous parle. On vous dit put the water. Je vous dis pas, je vous fais le résumé de ce qu'elle dit parce qu'elle dit toute une phrase, mais ça veut dire mettez de l'eau. Donc vous prenez votre petit doseur là, et vous mettez tout doucement et vous dites stop. Put the fruit ou légumes, super, vous avez vu l'anglais. Donc vous mettez votre jus, hop, et vous dites stop. Et après, de mettre le collagène. Pet de collagène, please. Et là, vous mettez votre petite capsule de collagène. Vous fermez, vous appuyez sur le bouton, et ça mouline. Pendant 5 minutes, elle vous dit d'attendre, waiting, please. Waiting. Et au bout de 5 minutes, elle vous dit, you can, je sais pas quoi, de masque, je pense que quelle phrase elle dit, vraiment, je ne me rappelle plus, hein, j'ai pas pris par cœur. Donc, vous appuyez sur le bouton, le masque sort, le jus de tout ça sort dans le réceptacle. La dose qu'il faut. Vous attendez un tout petit peu. Alors là, pour aller plus vite, la seconde fois, je suis allée dehors, il faisait frais. En 2 secondes, le masque s'est solidifié. Vous prenez votre masque, qui est épais, après comme ça. Vous prenez, clac, il y a les trous pour les yeux, pour le nez, pour la bouche. Et autant vous dire que j'ai pris un plaisir, mais phénoménal. Parce qu'à partir de là, qu'est-ce qui peut se passer? Ben, il y a 12 millions de recettes qui arrivent. Il vous reste un peu de lait de soja. Bam. Un peu de café, même une repasse à la SNCO, le café c'est très très bon, c'est rempli de caféine, c'est tonifiant. Vous avez des cicatrices, moi je vais essayer de... Alors j'ai pas essayé, mais petit bout par petit bout, d'extraire pour la pomme de terre, par exemple pour l'amidon, pour les cicatrices. Un peu du persil qui est très bon pour la peau, un peu d'huile d'olive, tout ce qui est liquide en fait. Donc ça fait un peu de miel, crème fraîche, yaourt, œuf. Tout ce qui vous reste un peu, on ne sait pas trop les dates, sans trop dépasser non plus, on ne peut pas se mettre n'importe quoi dessus. Mais des produits qu'on sait très bien qui ne sont pas toxiques et que c'est, qu'on peut en faire des masques. Du coup, vous faites votre petit masque maison avec toutes les chutes que vous avez dans votre frigo, au lieu de jeter. Ça reste un do it yourself, ça reste écologique, économique, c'est ludique et en plus ça a du bienfait pour la peau. Parce que moi le concombre, voilà. La peau pendant quelques jours après, je la sentais, mais elle était bien souple, hydratée. Après la douche, des fois ça tirait un peu, là pas du tout. Donc là les recettes c'est décliné à volonté. Voilà, dès que, en ce moment c'est la saison des mandarines, alors une qu'on n'a pas le temps de manger, qui est un peu trop mûre, ou n'importe quoi, vous mettez tout ce qui est comestible et tout ce qui est bon pour l'humain, quoi. N'allez pas vous lancer dans des trucs, attention, hein, moi je ne préconise pas tout n'importe quoi, mais des aliments tolérés par l'homme. Même, alors regardez, des fois vous avez peut-être des allergènes alimentaires ou autres, moi je sais que le lait je peux pas, j'ai une intolérance au lait, mais par contre des fois il en reste, on fait de la purée, le lait ben, je ne jetterai plus trop, voilà, du lait de soja, du lait de coco, enfin, je ne vais pas vous dire toutes les recettes parce que moi je vais en faire 1 million. Là j'en ai déjà fait 2 de masque, je ne vais pas tarder à en refaire un autre. Après ça permet aussi de se caler sur son canapé, de prévoir 30 minutes. Ben, là, parce qu'après ça dégouline un peu s'il fait trop chaud, là. Alors mettez une petite serviette parce qu'au bout d'un moment, voilà. Mais je crois que l'autre fois j'ai tenu 15 minutes. Quoi. Alors après pour nettoyer, rien de plus simple, le même système, on met de l'eau, stop, machin, anif, elle vous dit tout. Hein. Vous mettez le goupillon, vous nettoyez, vous fermez et vous appuyez, ça se nettoie, terminé, orange. Cet appareil-là, c'est une chose. Donc, êtes-vous intéressé par une démo? Je veux bien vous la faire, mais volontiers, parce que je vais être en repos là d'ici quelques jours et je compte me faire un masque. Donc, autant il y aura de personnes qui me... À partir de 10 personnes qui vont me dire qu'elles veulent, je me lance, je vous le fais. Je ne serai pas démaquillée, moi, c'est un trou. Voilà. Bon, pour ma part, je vais revenir très vite parce que j'ai plein d'idées de vidéos là, sous le coude. Et puis, je préfère pas vous le dire parce qu'alors après, je m'en veux parce que je me dis, j'y arrive pas. Donc, ça me met la pression et du coup, là, aujourd'hui, c'était pas prévu. Je m'étais dit, ben, si tu le sens, tu le fais. Et puis, voilà. Donc, je préfère rien vous dire. On commence l'année
avec du positif, on la terminera avec ça de positif, un petit like. Pour les nouvelles abonnées, ben, faites toujours sonner la cloche, comme ça vous serez averti des nouvelles vidéos. Puis voilà aussi, c'est moi qui me motivais, donc si vous voulez commenter un petit peu plus, je suis preneuse, parce que si vous ne commentez pas, c'est sûr que je me dis, ouais, ça ne va pas plus, elle ne s'en parle plus, nanana. Là, j'ai d'autres achats à faire sur AliExpress, et c'est pas. Et puis voilà, j'essaie de vous trouver des petits trucs que personne ne fait, j'ai pas envie d'entrer dans le... moi aussi j'ai acheté pareil que l'autre, ouais. Je trouvais que l'idée du masque déjà ça m'a beaucoup plu. Et puis il est présenté sur YouTube mais que par des Américaines et pas par des Françaises. Donc je pense que je suis un peu la première. L'homme quand même, je serai la deuxième, la troisième. Voilà, je peux en parler aussi. Mais bon, on n'est pas nombreuses. Ben écoutez, moi je vous embrasse, je crois que je vous ai tout dit. Et puis je vous fais des gros bisous, puis à bientôt. Bye!